La Cuisance, autrefois une rivière à truites, est aujourd'hui bien mal en point. Pour la deuxième fois en 2 ans, une pollution a tué une grande partie des poissons de la rivière. C'est Liliane Bachy, une habitante, qui a donné l'alerte. Ce matin, à mon grand désespoir et à ma grande colère, il y avait des centaines de poissons morts ou en train d'agoniser. Informé par téléphone, François Mouget, président de l'association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, est rapidement arrivé sur place. Pour lui, la cause de cette pollution ne fait guère de doute. C'est à mon avis du chimique. Et du chimique assez puissant pour arriver à faire crever des poissons dans une rivière large comme la Cuisance sur 10 km de long. Ce matin, l'Agence française pour la biodiversité a effectué des prélèvements pour connaître l'origine de cette pollution qui s'étend sur une portion de 10 km entre Villette-les-Arbois et l'aval de Mâtonnay. Quant à la suite des événements, François Mouget reste perplexe. Vous pensez qu'il y aura des résultats ? Je ne sais pas. Petit à petit, la Cuisance se vide. Selon François Mouget, la rivière comptait 5 fois plus de poissons il y a 25 ans. Aujourd'hui, difficile d'en trouver.